horseshit, not good. Dégage! Putain de quête! Après, tu t'y fais, tu vois. Mais t'as toujours une petite pression de vouloir faire quoi? Ouais. Salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui en DAF XF pour un nouvel épisode de notre aventure sur Euro Truck Simulator 2 et normalement un dernier trajet en mission rapide. Voilà, très content de vous retrouver aujourd'hui à Stockholm les amis pour un joli petit trajet ici même en Suède où on va traverser le pays. On va passer par Linköping, on va passer par Jönköping et on va livrer sur Göteborg. On va passer d'ailleurs devant ce petit point d'interrogation. Ah, attendez. Voilà, excusez-moi, hein, le devoir m'appelle, elles me veulent toutes. Du coup, voilà où c'est qu'on terminera donc notre livraison. Hop, est-ce temps? On va juste vérifier s'il n'y a pas des petits trucs. Non. Là, est-ce qu'on passerait pas par là pour choquer le point d'interrogation? En vrai, ça vaut pas le coup, parce que ça, c'est clairement une agence de recrutement. Tac. Par contre, là, on a un point d'interrogation et un atelier. On va passer juste à côté, mais surtout... ici, nous avons un garage à acheter et c'est aujourd'hui qu'on va acheter notre premier garage et notre premier camion. Camion d'occasion, j'imagine, aux couleurs de la TLF. Et oui, les amis, je me suis dit on va le faire aujourd'hui parce que sinon il sera trop tard. Parce que j'ai encore de quoi vous parler, les amis, par rapport à ma vie réelle. Et justement, aujourd'hui, si nous sommes en DAF XF, ce n'est pas pour rien, c'est parce que... ce n'est pas celui-là, mais c'est un DAF, en tout cas XF. Pardon, DAF XG que j'aurai en ma possession dans 2 semaines. Je ne vais pas trop en dire, on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui plus précisément. Aujourd'hui, regardez, on transporte quoi? Des bobines métalliques, 24 tonnes. Et c'est vrai que c'est le genre de transport, en vrai, c'est cool quoi.
C'est cool de transporter ça, tu te fais pas chier avec des mises à quai ou je sais pas quoi. Enfin bon, manifestement sur le jeu, si, je vois pas comment. En fait, ils les ont fait rouler sur le quai, je pense. Non mais voilà, on vient, on te charge, machin, ou tu charges toi-même avec une grue, je ne sais pas. Et puis après, tu poses tes sangles et puis après, c'est fini, quoi. C'est trois petites bobines, tranquillou bilou. Bon, c'est pas très optimisé, je veux dire, là, tu pourrais rajouter d'autres clients, évidemment. Mais voilà, c'est du transport qui est vachement cool. Allez, on rentre sans plus attendre dans le camtar et on est parti. Messieurs, dames, évidemment, n'oubliez pas, le petit pouce bleu, c'est la récompense. Le commentaire qui fait vachement plaisir. Et comme dirait notre ami, bien sûr, un petit cri pour faire vachement plaisir. Voilà. Pour ceux qui auront la ref et ceux qui ne l'auront pas, eh ben c'est pas grave. Voilà, tu passes, hein, fais pas l'acteur, je me suis exprès arrêté pour toi. Et là, par contre, pour le coup, on rigole, mais je vais réellement essayer de m'entraîner à rouler proprement. Alors pas en termes de réalisme avec la vitesse et tout, mais surtout par rapport à la remorque. Je vais essayer de me prendre un peu plus au sérieux, c'est pas une vanne, mais j'en ai vraiment besoin. Moi, dans ma vie, j'ai toujours conduit des porteurs. Et des porteurs remorques pour le CE. Et jamais de semi-remorque uniquement. Alors après voilà, j'ai fait beaucoup sur Eurotruck, mais ça fait pas tout quoi. Ça fait pas tout. Comment on fait pour acheter? Faut s'arrêter là ou faut rentrer dedans? Faut rentrer dedans. Je vais rentrer dedans. Ok. Vas-y, je vais rentrer dedans. Hop, le rétro, ça passe, impeccable. Emplacement de parking. Je me suis fait arnaquer là. Comment on fait pour acheter ce garage? Je vais péter un plomb, ça y est. Je vais péter un plomb. C'est un parking? Et comment je fais pour acheter? Ah! C'est votre hangar pour les pluies glacées et les vents violents. Vous devriez songer à l'améliorer ultérieurement. Bah, ah mais j'ai déjà un garage. J'ai déjà un garage alors? Non mais attendez, je comprends plus rien. Entreprise. Je n'ai pas de garage, hein. Camion d'occasion. Mais je peux acheter un camion là? Alors attendez, je vous explique. Déjà, on va prendre un... Donc on va pas prendre de DAF, parce que DAF, je vais déjà conduire ça dans la vraie vie, n'est-ce pas? Magnifique par contre. Oh, mais c'est celui-là? Oh bâtard. C'est celui-là, sauf que le toit dans la vraie vie, je suis pas sûr. De toute façon, je maîtrise pas encore le sujet tant que je ne suis pas... Bref, on va en parler après. Moi, ce que je veux par contre, c'est un Volvo. Volvo, voilà, parfait, superbe. Mais là, je peux même pas l'acheter, bon, parce que j'ai pas l'argent. Donc, tant pis, on va devoir le faire. Il est superbe ce menu, hein. Banque. On va devoir le faire. Tant pis. 100 000. Aïe, coup dur. Mais bon, il fallait bien. Et donc là, je revais dans camion d'occasion, bien sûr. Volvo. Acheter. Ah oui, j'ai bel et bien mon garage. Ok, d'accord. Bah, écoutez, j'ai raté un truc, mais tant mieux. Nous avons notre camion. On s'en occupera après, évidemment, on n'a pas le choix, on va devoir faire notre mission, bien sûr, si j'avais su, mais c'est pas grave, ça fait plaisir parce qu'on est avec un DAF et avec une cargaison très 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 sympathique. Voilà, voilà, les amis, donc allons-y tranquillement, on va un petit peu discuter de tout et de rien, surtout de rien. J'espère encore une fois que vous avez apprécié justement eh bien, l'intro d'Hcam, un petit peu plus courte que les précédentes, enfin que la précédente surtout, qui aura duré bien longtemps, il est vrai. Oh, en plus il commence à pleuvoir, c'est superbe. Alors là on vérifie bien que personne n'arrive en face, ce qui est le cas, donc je vais m'arrêter pour le coup parce que là... Non là je rigole pas, je vais vraiment essayer de faire ça. Là je regarde le petit rétro en bas et c'est bon, je suis pas monté sur le trottoir. Mais du coup j'ai l'impression de m'y prendre comme une bite, mais non en fait. J'aurais pu optimiser mieux là ce que je viens de faire, mais je pense que c'est pas dégueu ce que j'ai fait. Bref, oui, bah là vous allez voir un M-Colo différent parce que bon, j'ai toujours roulé, puis des fois j'ai de la bonne conduite. Bon, là c'est de la connerie ce que je viens de faire. J'ai des fois de la bonne conduite, mais là c'est différent. J'ai une pression un petit peu qui vient de s'ajouter à moi. Je vais pas te mentir que là je rigole un petit peu moins. Voilà, je suis un petit peu moins le fier. Donc je vais vraiment essayer de faire de mon mieux là, hein, mais comme jamais en fait, hein, je vous le dis, je suis à un niveau au-dessus, hein, et bon, c'est pas pour rien, clairement c'est pas pour rien. Donc voilà les amis, forcément bah là ce sera fini, je pense qu'il y aura peut-être encore une mini dashcam qui devrait arriver pour la prochaine vidéo, le temps de terminer mon boulot actuel, et puis après il y aura plus de vidéos dashcam en introduction.
mais possiblement des vidéos dashcam tout court, hein, clairement. Donc c'est tout aussi bien, mais justement il faut qu'on en parle. C'est un concessionnaire Scania ici, très bien, d'accord. Eh bien écoutez, on note, on ne dit pas non. Ouais, alors attendez, hop, voilà, l'éco-conduite évidemment pas du tout respectée, mais c'est pas le plus important aujourd'hui, hein. Vraiment c'est juste les trajectoires que j'ai vraiment besoin de checker. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça, les trajectoires plus évidemment si possible la vitesse au mieux dans les croisades, mais après c'est encore différent, hein. Entre le jeu et la vraie vie, il y a une différence. Par contre les trajectoires sont fidèles, c'est déjà ça. C'est vraiment superbe. Donc voilà, pour un petit peu vous dire ce qui se passe. Alors beaucoup l'ont compris évidemment dans ma dernière vidéo, c'était pas non plus compliqué à comprendre. Mais concrètement maintenant c'est une nouvelle aventure qui s'offre à moi dans la vraie vie, évidemment. Dans la vraie vie, je le rappelle, une aventure donc en semi-remorque, une aventure à l'international, une aventure en découché qui m'attend. Bien sûr je vais commencer en régional, et ce dans les deux, enfin dans deux ou trois semaines, je sais pas quand sortir la vidéo, mais dans 2-3 semaines je serai déjà à bord de mon DAF à conduire un semi-remorque en régional, et en espérant que ce soit le plus rapidement possible évidemment, mais dès que je serai à l'aise, voilà, eh bien je partirai en découché à la semaine. Et c'est là justement que vient le sujet du jour si je puis dire, c'est YouTube. Parce que YouTube est une importance pour moi, évidemment. C'est plus qu'une passion. Et c'est aussi un truc qui m'embête, parce que j'aimerais vraiment que toute ma communauté... Vous le savez, ma communauté est divisée en fait en plusieurs segments, en plusieurs compartiments. Il y a une grosse partie de la communauté qui me regarde uniquement pour les vidéos sur Eurotruck. Et probablement mes vidéos IRL futures en camion. Et j'ai le reste de la partie de la communauté qui regarde un petit peu de tout. Mais aussi qui ne regarde pas du tout mes vidéos en camion. Voilà. Et j'aimerais vraiment qu'en fait toute la communauté soit au courant. Et le problème c'est qu'il y a aussi une partie qui est sur Instagram, une partie qui est sur YouTube uniquement, j'entends. Une partie, voilà, qui est sur différents réseaux sociaux, et je touche pas tout le monde au même moment. Les gars, faut savoir que ça fait, vous le savez, hein, ça va faire un an que je fais du camion dans la vraie vie. En tout cas, je veux dire que je suis dans le truc, tu vois, je veux dire, ça va faire un an que j'ai commencé ma première formation, voilà, c'est ce que je veux dire. Et aujourd'hui il y en a encore sur Instagram qui m'écrivent en mode mais attends, comment ça tu conduis des camions toi? Donc pour vous dire à quel point tout le monde n'est encore pas au courant forcément. Alors je vais me permettre de faire ça, tu m'excuses hein, mon copain, ça sert à rien parce que je me suis même pas décalé intégralement. Donc voilà, et en fait j'aimerais vraiment prévenir un maximum la communauté, mais je pense que ça va pas être trop possible. Donc si jamais vous avez une idée, je suis preneur. Moi je pense que je vais faire un live YouTube bientôt. Vous serez content évidemment, mais je pense que je vais faire un live YouTube bientôt pour échanger avec vous sur Eurotruck, pour échanger avec vous en direct, voir un petit peu vos questions, etc. Et discuter directement. Mais encore une fois, ça ne va pas toucher tout le monde, ça va toucher que la partie qui veut regarder mon contenu sur Eurotruck. Et là nous avons le pont d'Igelsta. Bon, je le prends comme ça pour avoir le trophée, mais en vrai c'est pas forcément la meilleure des photos que j'ai pu prendre jusqu'à présent. Mais voilà, je pense que je ferai un live pour en parler. Mais si vous avez une idée pour voilà, peut-être c'est pareil, si je fais une vidéo FAQ ou une vidéo facecam, là par contre frère, il y aura personne qui va regarder, hein. Donc compliqué. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence, messieurs, dames, chers amis de la communauté Eurotruck. Les vidéos Eurotruck vont tout doucement s'étouffer, s'estomper, disparaître. Voilà, on va pas se mentir. C'est clairement la fin de l'aventure Eurotruck. Parce que dans tous les cas, au début, en régional, je vais rentrer tous les soirs tard, commencer tôt. Je vais pas m'amuser, j'aurais pas envie de rouler à Eurotruck. Le week-end, encore moins. Et alors quand je vais partir à la semaine, bah, le seul moment où je jouerai à Eurotruck, ce sera le week-end. Hein, je vais pas jouer ça sur mon ordi portable pendant que je fais mes coupures. Vous, enfin, certainement pas, j'en suis persuadé. Et le week-end, j'ai déjà pas mal de choses à faire et de prévues en tête. Hein, que ce soit bah, justement peut-être des petites vidéos, mais donc différentes, parce que sinon je vais péter un plomb. Enfin, je vais vous expliquer en fait comment je vois les choses juste après. Mais bref, ce qui est certain, c'est que les vidéos Eurotruck vont s'estomper. Enfin, même disparaître.
Mais ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir vous proposer éventuellement des vidéos Euro Truck dans la vraie vie. Ça, c'est encore autre chose et c'est une possibilité qui n'est pas négligeable. Et qui me fait de l'œil, parce que moi YouTube, je vais pas pouvoir disparaître, hein. Ça je vous le dis, j'aurai 50 piges, ça existera plus, c'est pas grave, mais je serai encore sur YouTube. C'est... Bon, j'ai pas encore 50 piges, hein. on en est loin. Je vois déjà Fox, Seb en train de dire « Hey, regarde le minot là, qu'est-ce qu'il raconte ?» Non, non, mais YouTube, j'ai déjà essayé, vous le savez, hein. Depuis 2014 que je fais des vidéos, une dizaine de fois j'ai dit que j'arrêtais YouTube et puis je revenais toujours le mois d'après. Hein. Donc ça va être très compliqué, je ne pourrai pas disparaître. Donc il y aura toujours des vidéos. Mais ce sera juste plus des vidéos Euro Truck. Ce sera évidemment pas des vidéos Minecraft. Ce sera très probablement des vidéos IRL dans la vraie vie. Je ne sais pas encore lesquelles précisément, mais voilà. Un petit peu de dashcam, un petit peu de plan GoPro. Vous me verrez éventuellement faire de la manutention cette fois-ci justement avec les palettes, etc. Ça, ce sera pas un problème. Dans mon travail actuel, en fait, que je suis en train de quitter, et donc je ne vais pas vous dire, je suis toujours resté mystérieux là-dessus parce que ben, j'ai pas forcément envie qu'on sache tout de moi, évidemment. C'est normal. J'avais pas. Bah, le truc, c'est que si vous me voyez faire de la manutention, vous sauriez direct où c'est que je travaille. Alors que là, dans mon nouveau travail, vous me verrez faire de la manutention, mais en fait, je pourrais travailler chez n'importe qui. C'est un vrai transporteur. Voilà, c'est le classique. Le classique. Donc voilà, c'est possible. Les futures vidéos seront donc certainement beaucoup plus axées IRL. Ça, c'est indéniable. Et ouais, clairement, moi le week-end, je me vois juste me reposer, profiter de la famille, retrouver mes copains, faire de la moto justement. Et donc c'est aussi un truc qui m'excite d'ailleurs, c'est que ben forcément quand je partirai la semaine, t'inquiète pas que j'aurai mon ordi portable. Donc non pas pour jouer à Euro Truck évidemment. Mais sur mon ordi portable, j'ai mon logiciel de montage évidemment, hein, et donc je peux te dire que entre les vlogs camions éventuellement, mais aussi, bah voilà, quand je ferai des balades moto le week-end, t'inquiète pas que la semaine je vais faire des belles images, des beaux montages, et ça ce sera évidemment sur ma chaîne YouTube secondaire de moto. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous invite à la découvrir, elle est en description, même si ma moto est actuellement en panne, mais elle sera vite réparée. Donc forcément là ces prochains temps par contre ça va être un petit peu... le temps de prendre la température. Ces deux prochaines semaines, je sais pas ce qu'il y aura comme contenu sur ma chaîne. Il y aura encore du Euro Truck. Mais dans deux semaines, faudra attendre, je pense, un bon petit mois, voire deux mois, avant de retrouver du vrai contenu stable. Parce que je pense que dans deux semaines, ça va être la folie dans ma tête, clairement. Hein. Beaucoup trop de choses à prendre en compte, mais vraiment, je m'en rends pas encore compte, mais je sais qu'il y a beaucoup trop de choses qui m'attendent, et c'est ça qui est bon, et ça m'excite. Je vais pas te mentir que ça m'excite, ça me faisait peur, mais là, ça m'excite. Et donc, il me faudra ouais, un mois ou deux avant de pouvoir vraiment vous régaler. Et me régaler, justement, hein, parce que là, clairement, ça va être plus de la concentration que de la régalade, évidemment. Donc voilà, ça m'empêchera pas de filmer mes moments de la vie. Et de vous les partager deux mois après, hein, clairement. Comme ça, vous verrez mon état d'esprit. Peut-être, je ne sais pas. Hein, j'ai pas dit que j'allais forcément faire que des vlogs ou quoi. J'ai même pas dit que j'allais faire forcément des vlogs. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ce qui est sûr, c'est que sur YouTube, il y aura toujours du contenu. Je peux pas disparaître. C'est impossible. Donc, voilà pour ça. Et puis, dans les deux prochaines semaines, comme dit, je vais essayer de vous retrouver en live une fois ou deux. Pour un petit peu discuter, ça peut être sympa. Je vais voir. Hein. Ce serait vraiment chouette que ça se fasse. Ce serait vraiment chouette. Excusez-moi pour la notification Discord, c'est certainement L7C Fox qui m'envoie une photo de son titi. Voilà, bah écoutez, je suis plutôt content là déjà. Et c'est con, hein, mais je me concentre, je parle en même temps, c'est le but du jeu pour essayer de voir comment je gère. Mais je rigole pas quoi. Souvent, vous me voyez faire des zigzags bizarres, machin et tout. Là, j'essaye de faire en sorte d'être bien dans mes lignes. Et franchement, mais c'est facile, c'est de la voix rapide. Mais. Ça rassure là, ça rassure. Parce que des fois je fais quand même des zigzags. Et là franchement, je suis pas trop mal du tout. Donc là j'ai envie de quitter le RP et de doubler. Mais en vrai ce serait tellement dommage parce que depuis le début c'est ok. Donc je vais pas tout gâcher et je vais vraiment essayer au maximum de vous faire un trajet intégral complet sans souci quoi. Et alors comme vous dites en commentaire, ça m'a fait mais alors vraiment chaud au cœur les commentaires dans la dernière vidéo.
parce que bah voilà, vous avez été nombreux à comprendre justement ce qui m'arrivait en fait, ce que je viens de vous dire actuellement en fait. Et il y a un commentaire que j'ai revu, que j'ai retenu parmi les autres, c'était attention aux mauvaises habitudes qu'on a en porteur. Parce que mine de rien, c'est vrai que quand tu roules en porteur, et puis c'est dans n'importe quel véhicule, hein, tu apprends comment rouler. Et ensuite, dès que t'es aux manettes réellement, et bah, au fur et à mesure, t'as tes habitudes, et surtout tes mauvaises habitudes. Et tu gères, hein, c'est très bien, ça fonctionne très bien, mais c'est des mauvaises habitudes. Et donc quand tu passes à un autre véhicule, là ça n'a plus rien à voir. Et je m'en rends compte, et vous avez raison, et je le sais, et c'est pour ça que j'ai besoin de me concentrer sur Euro Truck pour voir un petit peu comment ça réagit de nouveau la remorque. Parce qu'en fait en porteur c'est pas bien. Alors du coup je vais peut-être pas tout vous dire finalement, mais c'est vrai que j'ai les mauvaises habitudes, et notamment dans les ronds-points, dans les giratoires, j'ai des putains de mauvaises habitudes de débile. Donc ces derniers temps j'ai d'ailleurs essayé de simuler comme si j'avais vraiment une semi-remorque derrière moi, hein, donc vous auriez dû me voir. Alors là j'ai eu un à-coup de volant, mais ça c'est un bug du maintien de la voie, hein. J'ai eu un bug du maintien de la voie si jamais, hein. Qui n'a même pas fait de bruit d'ailleurs. Non mais je me dédonne pas, mais c'est voilà, vous avez vu, j'ai eu un à-coup de volant bizarre. Ouais, là ces derniers temps j'ai essayé un petit peu de simuler comme si j'avais une semi-remorque, donc vraiment je prenais les ronds-points mais tranquillou bilou, avec des bons coups de volant, faire bien le tour du rond-point, avec bien l'extérieur comme il faut quoi, bien chercher loin et tout, en fait comme on l'apprend au permis quoi, hein. Mais voilà, c'est sûr qu'en porteur j'ai eu les mauvaises habitudes de pouvoir un peu tracer comme je voulais en fonction du chargement et pas forcément prendre full l'extérieur, ce qui n'est pas bien, attention de ne pas reproduire, n'est-ce pas, mais ça va très vite. Sauf que bah, si tu passes à une semi directe le lendemain, je peux te dire que là le rond-point tu décolles, hein. Ou tu décroches, c'est comme tu veux. Donc voilà les petites mauvaises habitudes ici et là. Beaucoup de paramètres à prendre en compte, les porte-à-faux supplémentaires, devoir prendre plus de place, s'imposer davantage sans gêner non plus tout le temps. Enfin voilà, c'est plein de choses différentes. Et c'est excitant. Ah, c'est excitant. J'ai plutôt hâte que ça commence l'aventure. Et puis voilà, deviendra que pourra. Hein. Comme dit, je sais pas de quoi demain la vie est fait. Et je me laisse vivre. Ça fait de toute façon plus d'un an maintenant que je me laisse vivre, vous le savez. Hein. Comme dit, je me suis laissé guider vers là où je pensais avoir envie d'aller. Et je crois que jusqu'à présent, et j'en suis même sûr, jusqu'à présent, je me suis plutôt laissé guider vers là où je voulais aller. Donc je vois pas pourquoi ça changerait et je vais continuer comme ça. C'est pas tout le temps facile, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Ah, je peux te dire que là, ces derniers temps, je suis en train d'en bouffer de nouveau des vidéos de Florian Truck. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, il est bon, il est bon. Ah, rien que ces trucs, mais j'avais complètement zappé, hein, ces histoires d'heures de conduite. Hein, c'est facile, 4h30 de conduite, 45 minutes de coupure. Évidemment que tu peux scinder en 15 minutes de pause, puis 30 minutes de pause. C'est la base. C'est la base. Parce que, et puis, sauf qu'il y a tout le reste que j'avais complètement zappé. Parce que, ben, moi, en fait, dans mon travail actuel, donc, j'ai pas besoin de prendre tout ça en compte. Hein. C'est des petites journées et tout, ça va. Ça va. Là, je vais partir à la semaine. Encore en régional, ça va. Quand je vais commencer, c'est cool, heureusement d'ailleurs, parce que j'aurai déjà assez d'infos en tête. Mais quand je vais partir à la semaine, le bourbier quoi, la misère, hein. Entre l'amplitude, entre le repos journalier, le repos hebdomadaire, le repos mensuel. Oh, allez, c'est bon, ça me donne déjà mal au crâne. Et ouais, d'ailleurs justement les amis, maintenant que vous le savez, et je sais que nombreux sont les routiers de longue, comme on dit. Beaucoup ont fait de la longue. J'ai besoin de vous, j'ai quelques questions à vous poser, même si on pourra évidemment en reparler en live, et on en parlera obligatoirement en live, parce que ça nous permettra d'échanger, mais déjà évidemment vos conseils, je vous les demanderai en live si vous avez des bons conseils, pour tout et rien, hein, et tout ce qui est des couches quoi. Mais surtout par rapport au GPS, à l'itinéraire, est-ce que vous avez des bons GPS poids lourds les gars? Parce que c'est bien beau, hein. Je veux pas faire ni le nouveau, le gars de la nouvelle génération, ni le vieux avec son atlas, avec sa carte. Mais
Franchement, voilà, ça commence à me saouler légèrement. Et je pense que tu dois être bien chargé, mon copain. Franchement, est-ce que vous me conseillez le TomTom là? Ou est-ce que vous avez autre chose? Un truc moins cher ou je sais pas, mais un truc qui fonctionne bien. J'ai pas envie de... Alors, de toute façon, moi, techniquement, vous me retrouverez jamais bloqué sous un pont parce que je fais gaffe aux panneaux. Ça, par contre, y a pas à chier, je fais gaffe aux panneaux, c'est pas un souci, je me fais confiance là-dessus. Je veux dire, si le GPS m'emmène dans un bourbier, je saurai voir que c'est un bourbier et ne pas y aller. Frère, combien de personnes tentent alors qu'ils savent que ça passe pas, mais ils vont quand même essayer. Je comprends pas. Allez, d'ailleurs, l'extrait de début de vidéo, dans la dashcam, quand vous m'avez vu vérifier en train de passer sous un truc, je savais que ça passait. Parce que la hauteur était bonne, mais pour des raisons psychologiques, évidemment, j'allais pas passer en mode incognito, il fallait vraiment que je vérifie quand même, je suis sorti dehors vérifier, les dimensions étaient bonnes, mais quand j'étais en dessous, j'ai quand même préféré y aller mollo et sortir la tête. Voilà, c'est la base. Mais tout de même, si je pourrais éviter de faire des détours à la con, voilà, si vous avez un GPS à me conseiller, qui te donne... surtout les interdictions poids lourds et les hauteurs de pont, quoi. Et en gros, que ça me donne directement, en fait, comme Waze, l'itinéraire le plus adapté. Ouais, comme Google Maps, mais pour les poids lourds, quoi. En fait, j'ai l'impression de demander la lune parce que je ne trouve pas mon bonheur. Je ne trouve pas mon bonheur. Ou alors, il coûte 400 boules. Mais, par contre, si vous me confirmez que c'est de la bonne valeur, les 400 boules, je prends les 400 boules. Hein. C'est beaucoup plus rentable. Mais voilà, je veux bien que vous me dites pour ça et puis pour les autres conseils, parce que j'ai besoin évidemment de conseils, j'ai plein de questions à vous poser. Ça par contre, on verra ça en live le jour où j'en ferai. D'ailleurs, j'en ferai certainement d'ailleurs dans mon camion. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais clairement, des petits lives facecam dans le camion, ça peut être sympa pour vous donner des nouvelles. Mais je pense que je ferai ça plutôt quand je serai en France, parce que je vais peut-être pas bouffer trop de data à l'étranger pour ça. Ce serait pas mal. Mais bon, on n'y est pas encore. Même si le temps passe vite. Et que... un mois et demi, c'est vite passé, mine de rien. J'ai encore du mal un petit peu à le réaliser. Enfin voilà, je parle. Le soleil se couche tranquillouilou. Je le rappelle, nous sommes en Suède. En Finlande, pardon. Et c'est de la régalade, hein, tout simplement. C'est de la régalade. Voie rapide limitée à 80, bien sûr. Je suis à 87. Et justement, merci pour vos réponses concernant les radars. Alors, dans la dernière vidéo, je vous demandais si les radars, justement, faisaient la différence entre les poids lourds et les VL. Donc, vous m'aviez raconté tous la même chose, en fait. Et surtout, des anecdotes pour certains qui se sont fait flasher en VL. Enfin, le radar pensait que c'était un poids lourd et tout, machin. Bon, du coup, c'est pas grave. Je pense que, voilà, vous avez pu être... dédouané, mais par contre, ouais, ça je savais pas qu'il faisait la différence entre les poids lourds et les VL. Et merci de me le dire parce que, justement, pour l'anecdote, pour ceux qui connaissent, parce qu'en plus, vous connaissez, il y en a beaucoup qui connaissent les coins que je roule dans mes dashcam là, c'est trop stylé. Ça me fait trop plaisir de savoir qu'il y a des abonnés partout dans la région. À dire qu'à tout moment, je passe devant chez quelqu'un, quoi. Enfin, ça c'est logique, mais à tout moment, je passe devant chez un abonné, c'est le truc que je trouve le plus fou, quoi. Le monde est petit, comme on dit. Mais voilà, pour ceux qui connaissent, dans le 57 vers Stirin-Vendel, justement, donc sur l'autoroute, il y a des radars. Et puis à un moment donné, je doublais un camion. Pas bien, mais il roulait pas vite. Hein. Il roulait pas vite. Et donc je dois avouer que j'étais à 90 au lieu de 80. Du coup, c'était pas l'autoroute, c'était une portion à 110. Donc t'es censé rouler à 80. Ah, mais attends, maintenant que je me pose la question, vu que c'était sur autoroute. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Bref, je roulais à 90. Et dans ma tête, il fallait rouler à 80 et au dernier moment, je vois le radar et j'ai pile et net devant. Donc je me suis pas fait flasher techniquement. Mais du coup, je pense que peut-être que je ne me serais pas fait flasher. Je sais pas du coup. Bref, mais du coup, j'ai eu une frayeur et c'est là que je me suis dit, mais est-ce que ça prend en compte ou pas? Et donc, vous m'avez répondu que oui, donc attention à ça. Et ce qui est terrible justement, hein, et on en parlait avec Seb. C'est ok, il fait la différence à peu près. Il fait la différence entre poids lourd et VL. Ok, mais est-ce qu'il fait la différence entre gabarit, enfin entre tonnage? Parce que c'est bien beau. C'est bien beau. Tu peux avoir un petit camion inférieur à 3,5 tonnes ou comment dire,
Enfin, je sais même plus c'était quoi le débat qu'on avait avec Seb. En fait, j'ai oublié. Je parle dans le vide là. Attendez. Pourquoi il s'est arrêté le camion là? Ah, petit problème de pédale, hein. Ah, je m'emmêle les pédales. Hop. On va juste essayer de faire un petit peu des manœuvres quand même, parce que le but c'est ça aussi. Même si je suis content de voir comment ça réagit la remorque. Là, je suis content de voir comment ça réagit. Franchement, je vous le dis. Oh, par contre, c'est magnifique. On va juste faire une photo. Parce que là, c'est très très beau là où on est, hein. Göteborg. Oh, regardez-moi ça, c'est trop trop beau. C'est magnifique. Alors, ça rendra rien sur la miniature. Pour le coup, là, avec le soleil comme ça. Mais c'est super beau. Ah, c'est. Attendez. On va continuer d'avancer. Voilà, descendre le pont. Göteborg découverte. Et on va essayer de faire une photo. Voilà, là ça rend mieux avec le. Ah, et encore, putain, c'est chiant. Ah, c'est... j'aurais aimé que le soleil soit là-bas. Ah, là par contre, ça aurait été magnifique, quoi. Là, ça aurait été magnifique, quoi. Alors, on pourrait tricher. Mais c'est pas les mêmes couleurs. Ah, je suis déçu. Attendez, on fait ça ensemble, les amis. C'est toujours sympa. Et peut-être si je changeais la saison, non, même pas, hein. C'est de la connerie, hein. Le soleil restera là. Ah, c'est dommage. Bon, bah écoutez. On va quand même se faire une photo dans le doute. On en fera probablement une juste après. Et encore non, parce qu'on va à gauche. Bref, je sais plus ce que je disais. Ah oui, c'était par rapport au radar, mais c'est rien de très important de toute façon. Voilà. Ouais, bon, bah là, comme d'habitude, toujours aussi débile. Toujours aussi débile. Tu vas faire gaffe au porte-à-faux là. Le porte-à-faux du tablier de la remorque. Ah, c'est cool, je suis content de rouler. Et voilà, ouais, donc en théorie, ce que j'aurai entre les mains, ce sera donc un beau petit DAF XG, évidemment, que je vous montrerai en photo. Évidemment, ce sera mon tracteur perso, mon tracteur assigné, tout au moins. Hein, attention tout de même, hein, ce n'est pas mon camion, hein, ce n'est pas ma carte grise, c'est pas moi qui le paye. Mais tu m'as compris. Et je vais déjà pouvoir m'installer très bientôt dedans. C'est trop cool. C'est trop cool parce que je vais pouvoir m'installer le vendredi et je commencerai le lundi. Je trouve ça génial. Ah bah c'est un Volvo ici. Superbe. Est-ce qu'il va me le débloquer ou... Oh bah je vais pas m'amuser à passer devant juste pour le débloquer. Hein. Rien à péter. Hein. Bah alors, rien à faire. Oh c'est beau. C'est vachement haut les murs là. Vous pensez que c'est des murs porteurs? Oui, je pense. Hein. c'est beau, mais ça fait pas une très belle photo. J'adore les reflets sur la cabine. Très très propre. Bon, bah jusqu'ici, j'aurais pas fait trop de conneries là sur la route, c'est cool. Hop, le petit frein de parc quand même, ça fait plaisir. Et bien voilà, je vous ai annoncé officiellement la nouvelle, hein, parce que je l'avais entre guillemets. Supputé officieusement précédemment, et puis là maintenant c'est dit. Chose dit, chose faite. Il y a juste un truc qui me fait peur, c'est l'Angleterre. C'est pareil, je vous demanderai des conseils. Même si de toute façon je vais être très bien entouré dans l'entreprise, j'en ai pas de doute. Mais voilà, on parlera quand même de vous à moi, de moi à vous. Mais j'avoue, l'Angleterre c'est un truc qui me fait peur, et il y a moyen que je ne le fasse pas du tout. Mais c'est un blocage, hein. Ce serait dommage. Hein. En vrai, je pense que je le ferai quand même. On verra. Et là, hop, je ne monte pas sur le trottoir. Superbe. Je suis content. Hein. Ah là, et je vous jure, ça me change ma vie de me rassurer là. Et on est d'accord que les essieux sont pas directionnels. Voilà, superbe. Ah, donc c'est bon en fait. Hein. J'ai vraiment le truc. Hein. Non, mais c'est con. C'est con, mais quand tu roules en porteur ou en porteur-remorque, bah, c'est pas pareil. Merde. J'ai oublié de... Oh là, je le savais. J'ai oublié de sélectionner le... Oh, sérieusement. Oh, c'est pas grave, ça m'entraîne à faire une marche arrière droite. Parce que t'as vu la remorque, elle commençait déjà à partir. Ah bah là aussi maintenant. Oups. Ah, c'est chiant, je vais devoir me remettre sur la route là. Hop. Voilà. Sérieux quoi. Bah oui. Ah. Bah oui, du coup. Bon bah y a pas de... Ah si, y a une mise à quai quand même, j'avais pas vu. C'est quand même un quai. Mais bon, là c'est bidon là, tu fais un demi-tour et tout. Donc bon, c'est pas le... Vas-y, je vais mettre entre ces deux remorques. Juste, je vais mettre entre ces deux remorques. Parce que c'est ça en fait qui m'attend. Et ça, je me chie dessus. Et là, j'ai de l'espace. Là, faut se dire que j'ai de l'espace quand même. Là, j'ai même beaucoup trop d'espace.
Dans la vraie vie, t'as pas autant d'espace, confirmez-moi les amis. Bon, déjà, je me trompe pas. De sens, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que c'était bien entre ces deux remorques que je voulais mettre? Hop, je descends juste du camion pour voir. Ouais, c'est bon. Non, parce que tu vois, dans ma tête, je me mets un quai en objectif. Mais si c'est pour me mettre dans le quai d'à côté, ben, c'est pas bon. Donc là, je fais ça. Bon, là, techniquement, je peux sortir la tête, mais bon. On va pas le faire, on va faire confiance. Donc là, j'aurais sorti la tête à gauche pour vérifier. Là, maintenant, ça sert plus à rien que je le fasse, donc je regarde que à droite. Là, je sais que je suis bon. Je vais peut-être juste me redresser un petit coup. Mais j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave. Au moins, juste pour voir qu'à gauche, je touche pas, c'est bon. Je sais que je touche pas, donc c'est bon. Hop. Je me redresse. Donc là, je vois que je suis pas droit, mais c'est... Je suis dans le quai, j'ai touché personne. Donc... Le gars là, le chariste, il peut faire un TikTok en disant qu'il s'est pas manœuvré, mais en tout cas je l'aurais fait en 2 fois et pas en 8 fois, donc c'est déjà pas mal. Voilà, et puis là j'ai juste à viser le quai convenablement, mais comme j'ai mal réglé, ah voilà, il fallait que je me décale un petit peu. Voilà, du coup je suis trop à gauche, pas assez à droite, mais dans l'idée t'as compris, et moi aussi j'ai compris, donc c'est l'essentiel. Ok, bon, mais dans un espace un peu plus restreint, un peu plus serré, je ne sais pas, hein. Je vais pas te mentir, bon, j'apprendrai. J'apprendrai sur le tas, hein, pas le choix. Et il n'y avait pas le choix. Hop. Voilà, on triche un petit peu, hein. On profite de l'espace, hein, de toute façon. Hein. L'espace est fait pour ça, hein, s'il y en a. Hein. Hop, donc là pareil, hein, on fait tout en vue intérieure. Quand même, la base des bases. Là, j'ignore les cônes, hein. Faut le savoir, j'ignore vraiment les cônes. Je me concentre, parce qu'il n'y aura pas ça dans la vie, je me concentre vraiment sur la porte, en fait. Hein. Ouais, sur la remorque aussi. Et sur les lignes jaunes. Mais je me concentre surtout sur la porte. Et ça, c'est encore un autre truc. Quoi? Pour passer le stationnement? Moi, je passe pas le stationnement. Moi, je suis pas une salope. Voilà, c'est cool. Et là, par contre, j'ai l'impression de repasser justement le permis. Donc le plateau. Où je fais exprès de faire des droites gauche pour pouvoir voir correctement à droite. Puis ensuite, regarde, hop, je revois à gauche. Ah, c'est rigolo, quoi. Là, j'aurais pu chercher un peu plus, mais bon, c'est pas grave. On va pas plus casser que ça parce que ce serait dommage. Et là je vais m'arrêter là juste pour voir. Et je suis des deux côtés pareil. Juste pas aligné correctement, mais c'est pas ça, c'est pas grave. Voilà. Et là je vais juste m'arrêter là. Juste parce qu'il y a la confirmation, mais si je me mets comme ça et que je regarde, voilà, c'est bon. Ça veut dire que là je peux reculer. Ça veut dire que là je peux reculer. Et donc tu regardes ici. Donc là ça va toucher la mousse. Je sais pas si c'est de la mousse, voilà, je ne sais plus c'est quoi la matière, vous me direz. Et là c'est pareil, et encore là, bon là si je continue tout droit, je serai un peu de travers. Et encore, c'est pas le truc le plus grave, et puis c'est vite corrigeable. Ah c'est superbe. Bon, allez, ça c'est fait messieurs dames, je suis très content. Très satisfait de WAM. Nous avons fait 419 km, nous passons niveau 5 et je suis enthousiaste évidemment comme vous avez pu le constater, on va remettre... Cette fois, marchandise fragile justement. Je pense que maintenant je le mérite. J'applique et on va directement passer sur donc notre camion. Alors d'abord gestion camion. Il est là donc notre Volvo FH 420 chevaux que nous avons acheté donc d'occasion, amélioré. Ok, donc il faut que je le conduise directement. Nous allons pouvoir le découvrir tel qu'il est. Regardez-le, il est beau. Ah c'est chouette. Attends, et franchement sur le jeu, n'empêche, on oublie les dimensions. Hein. Les dimensions sont vraiment pas les mêmes. Enfin, c'est les mêmes, mais ça fait pas le même effet que dans la vraie vie, quoi. Il est tout petit, le truc. Mais en fait, voilà. Voilà. Là, t'as une meilleure vue. C'est un titan. Enfin, c'est un titan, je me comprends, hein. C'est quand même impressionnant, quoi. Oh, waouh. Oh, il est magnifique. Oh, le blanc à l'intérieur, je kiffe. Oh, c'est trop bien d'acheter des véhicules d'occasion. C'est trop bien, je kiffe. Allez, on démarre. Alors, normalement, j'ai un mode son. Je suis pas sûr. Attendez, on va juste vérifier un truc. Ouais, je crois qu'il y a un mode son. Je suis pas tout à fait sûr de moi. Allez, on va juste régler le rétroviseur parce que bah c'est notre nouveau bijou, quoi. C'est notre camion. Il est bizarre, le rétro, là. Oh, il est super éloigné, donc ça me perturbe un peu. Hop. Voilà, pas trop non plus. Alors par contre le grand angle. Non, ça c'est le côté.
Le grand angle, voyez-vous, ça me plaît pas trop. Voilà. Et le grand angle ici. Voilà. Ce sera bien mieux. Plutôt bien installé. Et on va se rendre directement dans un atelier. Donc, oh, il y a une photo à prendre, j'avais pas vu là. On va se rendre dans l'atelier juste à côté. La photo, on peut pas la prendre de là. C'est quoi la photo à prendre en fait? Il y a quoi à prendre en photo? Ah! Le stade couvert de Stockholm. C'est quoi, c'est ça? D'accord. Ça a l'air beau, hein. Ça a l'air beau. Alors, on va se rendre donc à l'atelier comme convenu. Un petit coup. Hop là, donc là on va juste pas faire le con non plus, hein. On va rester dans le réalisme que j'ai proposé depuis tout à l'heure. Donc là, je vois que ça ne passera pas. Grâce au rétroviseur, à l'antéviseur, bien sûr. On va peut-être allumer les feux là, hein. Ce sera un petit peu mieux. Hop! Et on va aller à gauche. Donc là je vois pas à droite, donc je me mets comme ça. Là je vois et j'y vais. Oh là là. Oh ça fait du bien de rouler les tracteurs solo. Oh ça fait plaisir. Ah là on peut se poser un petit peu moins de questions et s'amuser, bien que c'est moins stable. Attention, je le rappelle. Oh c'est cool. Oh mon camion, c'est mon camion dans le jeu. Ça fait plaise. Encore une fois, ce sera pas ça que je conduirai en vrai. Alors j'ai déjà effectué des stages en entreprise où le conducteur c'était en Volvo, donc du coup je connais. Et je vais pas te mentir que conduire un DAF. Alors oui, ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai dit à Fox et Seb. Mais vous savez, je vais conduire dans la vraie vie un DAF XG, d'accord? Et mais sur Euro Truck, mes carrières, le véhicule que j'ai le plus conduit, franchement, hein, on est d'accord, c'est des DAF. C'est le DAF, le véhicule que j'ai le plus conduit, enfin la marque de camion que j'ai le plus conduit sur Euro Truck. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça beau. Ça m'émeut. Voilà, je vais pas te mentir, ça m'émeut. Alors, la configuration du camion. Alors, la cabine. Bon, déjà, de toute façon, je n'ai pas 36 000 possibilités avec mes niveaux. Mais dans tous les cas, on va rester avec le sleeper. Puisque, bon, c'est pas non plus anodin de changer la cabine de la sorte. Le châssis. Bon, alors, au niveau des niveaux, voilà. Puis c'est pas anodin de changer le châssis de la sorte. Voilà! Eh, il est pas mal là le camion là, dis donc. Total à payer 50 000. Ah oui, il va me. Total à payer 50 000, j'en ai 39 000. Hein. J'ai pas fait gaffe. Mais j'ai pas assez d'argent, hein. Bon, écoutez, vous l'aviez certainement vu avant moi. Tant pis. On va se contenter de ça pour le moment, j'ai trop le seum. Voilà, j'ai trop le seum. Mais bon, c'est déjà ça. Il est beau quand même. Ah, il est très très beau, hein. Franchement, disons-le. Les petites lumières là, voilà. Franchement. Franchement. Je vous le dis. Bon, j'espère que vous avez kiffé cet épisode, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir justement. Vos réponses à mes questions. Et puis on se retrouve, eh bien, très vite pour de prochaines aventures. Avec la déblou, le gasoil, c'est bien de la déblou là. Attendez. De toute façon, c'est un bouchon bleu donc je peux pas trop te tromper là. Good! Allez, à la prochaine les amis. Ciao ciao.